Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h45 pratiquement et nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Oui, la rébellion, c'est normal parce que c'est biblique. Que Dieu soit béni pour la présence de chacun et merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, nous sommes avec des frères, des sœurs qui sont avec nous. Et il y en a qui sont en projet. Alors quand vous entendez ce terme-là, cette expression en projet chez les chrétiens, c'est qu'ils s'apprêtent à se préparer au mariage. Voilà. Donc, comme tout projet, hein, comme pour tout projet, il faut s'asseoir, réfléchir, prier pour ceux qui sont chrétiens, bien sûr, pour pouvoir bien le mettre en place. Voilà. Donc, ce soir, ça va être des questions et réponses. Donc, si vous avez des questions à nous poser, appelez-nous au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Donc, on va commencer avec ceux qui sont sur le plateau ici avec moi. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vos portes... je pense que vos... micros sont allumés, voilà. Bonsoir Teddy. Alors, tu as des questions, hein? Oui, quelques-unes. Voilà, donc on peut y aller. Sentez-vous libre. Hein, de... Bon, en fait, la première question serait plus tournée vers le royaume de Dieu. Mm-hmm. Sachant que dans un royaume, il y a forcément des principes, mm-hmm. des directives. Mm-hmm. Est-ce que tu peux toucher un petit mot par rapport à cela? Ben, y a des principes, effectivement, parce que ces principes sont tout simplement... c'est la parole. Et nous sommes effectivement dans un royaume. On va prendre un passage dans 1 Pierre chapitre 2, versets 8 et 9. 1 Pierre chapitre 2. On va commencer à partir du verset 7. Elle est donc précieuse pour vous. Voilà, on va attendre que l'équipe nous le mette sur l'écran. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 8. Elle est donc précieuse, et verset 7, elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Mais par rapport aux rebelles, il est dit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Bon, ce soir, on ne va pas parler de la rébellion. Mais vous, vous êtes la race élue. Vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et donc ici, l'apôtre Pierre nous apprend que nous sommes des rois, et des prêtres. Donc nous sommes un royaume composé des prêtres. Et on nous dit également que nous sommes, l'Église aussi est une ville, est une nation, hein, pardon, donc une nation. Donc on est à la fois un royaume et ce royaume est en même temps une nation. Et nous savons tous que dans toute nation, il y a bien sûr des règles. Et dans notre nation à nous, donc notre royaume, donc l'Église est une nation, mais cette nation se trouve dans un royaume. Et en tant que nation, ben, nous avons aussi, bien sûr, des lois qui régissent cette nation, ce royaume. Et le premier principe, la première loi de ce royaume, beaucoup la connaissent, hein, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est le plus grand principe, c'est le plus grand, mes amis, la plus grande loi, comme le Seigneur le dit lui-même dans Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Donc, on va rapidement aller le voir. Et Marc chapitre 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un.
et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Voilà, ça c'est la première loi que le Seigneur nous a communiquée. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Et pourquoi ? Parce que si on n'aime pas le Seigneur, ben on va faire n'importe quoi dans ce royaume. Et si on n'aime pas le Seigneur, ben on va prendre son argent pour faire n'importe quoi avec. On va faire la cour aux hommes, aux femmes. Et donc, ceux qui ne sont pas, ceux qui se disent chrétiens et qui vont voler l'argent du Seigneur, qui vont prendre des femmes d'autrui et qui vont même se rebeller contre Dieu, contre les enfants de Dieu, ben ils n'ont pas cet amour-là. Ils n'aiment pas le Seigneur. Et d'ailleurs, on ne peut pas aimer le Seigneur si on n'a pas reçu son amour. D'accord ? Il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Dans Romains chapitre 5, verset 5 et au verset 5. Donc, ça, c'est le premier principe. Et c'est le plus grand de tous les principes. Celui qui veut finir correctement sa mission sur terre, en tant que chrétien, ben, il doit avoir impérativement cette loi dans son cœur. Et la deuxième loi, le deuxième principe, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Je vois des gens qui veulent craindre Dieu. C'est bien, parce que la parole nous demande de le craindre. Mais comment voulez-vous craindre quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Vous ne pouvez pas redouter quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Si vous n'avez pas entendu parler de ses exploits, de sa force, de ses capacités. Donc, tout découle, tous les principes qui régissent le royaume de Dieu, tels que toutes les lois qui régissent la parole le royaume de Dieu, telles que la sanctification, la crainte de Dieu, l'obéissance, découlent de la première loi, c'est-à-dire aimer Dieu de toute sa pensée, de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Et je me répète encore, personne ne peut aimer Dieu ainsi si Dieu ne lui révèle pas son amour. Si Dieu ne remplit pas son cœur de son amour, on ne peut pas craindre Dieu si on ne l'aime pas. On ne peut pas obéir au Seigneur si on ne l'aime pas. On ne peut pas résister aux femmes, aux hommes, si on n'aime pas Dieu, si on n'a pas reçu son amour au préalable. Donc il y a des gens qui veulent servir le Seigneur, qui veulent commencer des ministères, mais ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'ils font n'importe quoi. Vous voyez ? Parce que celui qui aime Dieu ne peut pas chercher à bâtir une œuvre sur le mensonge parce qu'il sait très bien que ça ne marchera pas. Vous voyez ? Donc, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, ça, c'est même pour vous vous qui êtes jeunes, si vous voulez aller jusqu'au bout de votre parcours terrestre, si vous voulez servir le Seigneur véritablement, si vous voulez rester ferme, même demain dans vos projets de mariage, pour ne pas dépouiller vos femmes, blesser vos maris, tromper vos femmes, vos maris, ben il faut avoir ces deux principes. Et il dit, n'est-ce pas ? Et on va plus loin, on va descendre encore un peu. Qu'est-ce que le Seigneur dit ? Et je crois que c'est dans Matthieu. Il dit, de ces deux commandements ben, dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Donc, c'est tout simplement aimer Dieu. Donc, Dieu répand son amour dans nos cœurs. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne, non ? C'est pas... Ok. Et puis après, dans ce royaume, effectivement, il y a des grands et des petits. Ça, c'est aussi une réalité que beaucoup négligent. Voilà. Ben oui, frères et sœurs, et, dans le royaume de Dieu, il y a des grands et des petits. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui le dit. Hein ? Donc maintenant, les grands ne vont pas dire que c'est nous qui sommes grands. Pas du tout. Et nous allons prendre la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 11. D'abord Matthieu 11, c'est ça. Matthieu 11, je le dis. Seigneur, merci pour ta parole. Alors, voilà. Et le verset 11. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Toutefois,
le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc Jésus nous dit que dans le royaume des cieux, il y a des plus grands et des plus petits. Donc déjà dans le royaume de Dieu, moi je ne peux me mesurer à Abraham. Il est notre père, donc il est de loin plus grand que moi. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Paul, qui est mon aîné dans la foi, est de loin plus grand que moi. Pierre, plus loin que moi. Donc vous voyez, je ne veux pas me mesurer à Pierre. Nous avons tous le même père, oui. Mais, attention, on n'a pas tous reçu le même appel, la même charge. Parce que Dieu, il va confier 10 talents à l'un, 5 à un autre et 1 au troisième. Donc, c'est beaucoup de chrétiens se disent, à cause de la simplicité des frères et sœurs, bon, on est tous pareils. On est tous pareils parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Mais on n'est pas tous pareils parce qu'il y en a qui sont la main, d'autres les pieds, d'autres la bouche. Donc, on n'est pas pareils parce qu'on a des dons différents les uns des autres. Donc, dans le royaume de Dieu, le plus grand et le plus petit. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, celui qui a reçu un talent, il ne pouvait pas aller se mesurer avec celui qui a reçu du talent. Chacun doit connaître ses limites. Même Paul disait que nous ne dépassons pas nos limites. C'est important. Celui que Dieu a appelé pour travailler localement. Si Dieu t'a dit de travailler dans ta localité, dans ta cité, travaille dans ta cité. Ne cherche pas à aller dans les nations. C'est ça le problème, parce qu'il faut le mandat, il faut l'onction pour ça. Sinon, on va s'essouffler. Voilà. C'est ça, tu voulais comprendre ça, ces choses-là. Ben voilà. Et pour, avant de prendre le frère ou la sœur, regardez ce que le Seigneur a dit. On continue encore. Matthieu chapitre 20. Donc le plus petit dans le royaume des cieux, c'est-à-dire après Christ, le dernier là, est plus grand que Jean-Baptiste. Pour vous montrer le standard. Le niveau du royaume des cieux. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Jean-Baptiste était plus grand qu'Abraham. Parce que Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc plus grand que tous les prophètes d'avant. Tous ceux qui ont existé avant Jésus-Christ, avant que Christ ne meure et ne ressuscite après sa mort. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Qui ne savait pas ça? Moi. Ah ben, voilà. Mais Jésus le dit, c'est de la bouche de Jésus. Il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc le plus petit dans le royaume des cieux, celui qui donne sa vie à Jésus-Christ et qui meurt, là, qui n'a pas travaillé pour le Seigneur, qui est plus petit, qui n'a pas comme le malfaiteur à la croix, celui-là même est plus grand que tous. Donc dans l'ancienne alliance, le plus grand c'était Jean-Baptiste. Dans l'ancienne alliance, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Plus grand que lui, il a clôturé l'alliance. Jésus le dit, plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Moïse. Abraham est né d'une femme. Seigneur. Amen. Ah ben amen. Donc, vous voyez, non? C'est ça, la réalité. Donc, nous sommes dans un royaume, il y a des plus grands et des plus petits. Nous sommes dans Matthieu 20, 25. Voilà. Mais Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands les asservissent. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc, oui, le Seigneur confirme encore ici que dans le royaume de Dieu, il est plus grand. Et la grandeur, selon Dieu, consiste dans le service. Amen. Tu vois, servir les autres. Et aujourd'hui, tout le monde veut démontrer qu'il a le ministère. Tout le monde veut aller prêcher sur YouTube, alors qu'ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas l'autorité. Ils veulent. C'est que Dieu nous garde, mes amis. Bon, voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Ils vont de maison à maison parfois. Ils ne se fatiguent pas. La parole le dit dans 2 Timothée. Ils vont de maison en maison, captivés des femmes qui sont chargées de péché. Vous voyez ?
Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout est écrit dans la Bible. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Waouh, c'est Dieu m'a donné une langue pour parler. Ah oui, bonsoir, ma sœur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Oui, on vous entend. Je peux parler. Bonsoir. On vous entend, vous pouvez parler, oui, s'il vous plaît. Vous pouvez parler. À la droite de Dieu après sa résurrection. Ok, c'est une très bonne question. En fait, pour répondre à cette question, il faut comprendre, connaître la culture hébraïque un tout petit peu. Chez les Hébreux, et, la droite est la position, la droite de quelqu'un est la position la plus élevée, la plus importante. D'accord. Et par exemple, chez les Chinois, ce n'est pas la droite, c'est la gauche. Mmh. Voilà. Donc, quand Jean arrive au ciel, il n'a pas vu deux personnes assises sur le trône, l'une à côté de l'autre. Oui. Il a vu un être qui ressemblait à une pierre, de la pierre de jaspe et de sardoine. Oui. Il a vu un seul être, parce qu'il y a un seul trône. Oui. Et il a vu même l'agneau qui était assis au milieu du trône. Oui. Donc là, on dit, il y a des passages qui disent à la droite et d'autres qui disent au milieu du trône, au milieu. Donc on voit bien que la droite, il ne faut pas faire une interprétation littérale ici. La droite, c'est la position la plus élevée parce qu'il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas deux personnes non plus, deux êtres sur le même trône. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Que bon Dieu courage. Vous bénisse. Merci. Donc vous voyez, mes amis, dans le royaume de Dieu, c'est ça. Nous sommes dans un royaume. On est en France. Mais vous avez des commandos, vous avez des généraux, vous avez des colonels. Vous avez des gendarmes, et vous avez des maires, hein, vous avez des maires, même parmi les maires, il y a des plus grands et des plus petits. Vous avez des maires de villages de 500 personnes, de 100 personnes, vous avez des maires de grandes villes comme Bordeaux, comme Lyon, comme Marseille, comme Paris, vous voyez. Donc, c'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, même les étoiles, hein, ne brillent pas toutes de la même manière. Il y en a qui brillent plus que d'autres. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, il y a des plus grands et des plus petits. Maintenant, Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Question. Mm-hmm. Alors, comme il y a des plus grands et des plus petits, est-ce qu'en fonction de ça, tu vois, par rapport au ciel, il y a le parvis, et puis il y a le Saint des Saints et tout ça. Mm-hmm. Maintenant, si quelqu'un a un petit... On va dire que son étoile brille moins qu'une autre. Mmh. Est-ce qu'il peut quand même atteindre l'endroit, le Saint des Saints? Ça, Dieu seul le sait. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur a dit que, en fait, quand les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, ont voulu s'asseoir l'un à la gauche du Seigneur et l'autre à sa droite, et le Seigneur a dit cela ne sera donné qu'à, est réservé par le Père, hein, ne sera donné qu'à ceux à qui le Père l'a réservé. Donc on voit bien que dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui seront tout autour du Seigneur, d'autres non. Mais on sera tout dans la gloire du Seigneur. Mais c'est un royaume. Voilà, c'est un royaume. Et voilà. Et par exemple, Gabriel dira à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. » Et les Écritures nous disent qu'il y a 7 anges qui se tiennent devant le trône. Selon encore Apocalypse 15, tout ça là, avec les 7 trompettes, tout ça là, et les 7 coupes, il y en a aussi. Donc surtout les 7 trompettes là. Donc on voit bien que c'est pas tous les anges qui sont comme ça devant le trône. Donc c'est un royaume comme la France. Et tout le monde n'est pas au palais de l'Élysée. Non, c'est tout le monde, on a tous le même président. Mais il y en a qui mangent à sa table. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, c'est pas de l'injustice, c'est la justice de Dieu. C'est comme ça. Il fait ce qu'il veut, mais il aime tout le monde, pas de problème. Voilà. Alors, je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Une question? Non. Ok. On n'a pas de question. Ouais, tu peux prendre le micro. Toujours dans Matthieu 11, mm-hmm. verset 6, il dit, mais. Quand le Seigneur il parlait par rapport
quand il est venu lui demander es-tu toi et celui qui... Dans le verset 6, il dit mais béni est celui qui n'aura pas été scandalisé en moi. Mm-hmm. Ça, j'ai pas compris ça. Ben oui, en lui, nous sommes en Christ, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas être scandalisé par tout ce qui peut se passer, par les comportements des uns des autres, hein, notamment parce qu'il y en a qui tombent dans le péché. Donc, le Seigneur dit justement dans Luc 17, regarde Luc chapitre 17. Donc, pour comprendre ce passage-là, il faut lire Luc chapitre 17. À partir du verset 1er, qu'est-ce que le Seigneur dit? Or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Tu vois? Donc, c'est tout simplement ça. Parce que le Seigneur, quand il dit ça, il est le rocher de scandale. Il est la pierre qui choque les religieux. Donc, ben, le Seigneur dit, ben, celui qui ne sera pas scandalisé à moi, ou à cause de moi, ou parce qu'il a cru en moi, ben, c'est bien pour lui. Voilà. C'est bon? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour sa parole, pour les principes du royaume. Ouais, ben, y a l'amour qu'on doit avoir pour le Seigneur et pour son prochain. Parce que si on aime son prochain, on ne va pas le faire un coup d'état. C'est ça. Il y a des gens qui veulent faire des coups d'état dans les églises. Déjà, nous, ce n'est pas une église, mais quand même, on veut faire des coups d'état. Donc, c'est tout ça, là. Si on a reçu une vision, on va demander la prière. Comme la parole le dit, voilà, on va prier pour la personne, bah, va faire ta vision. Et s'il faut donner l'argent, on va soutenir financièrement pour aider la personne, dans la propreté, comme des voleurs, pas comme des voleurs. Donc tout ça, ce n'est pas des principes du royaume. Ça, c'est les principes du royaume de Satan. C'est ce que Satan a fait au ciel. Il a convoité la place du Seigneur, il a voulu prendre son trône, il a voulu chasser le Seigneur du ciel, et il a été chassé. Donc, il a entraîné quelques anges avec. Vous voyez, et tous les enfants de Satan ben, procèdent de la même manière, comme leur père. Donc, voilà. Les rebelles, ils sont nés comme ça, c'est livré. Donc, ils ont connu. Ils ont le micro, parce qu'on n'entend pas. Ils ont vu le Seigneur, ils ont vu des visions, ils ont eu tous les dons, tout ça, mais au final. C'est leur semence, c'est leur nature. Ils sont comme ça. On ne peut pas changer la livrée. Mm. Pas. Ils suivent le même principe que leur maître, c'est-à-dire le diable. Satan n'est pas sorti de la terre. Mm. Il est sorti du ciel, là où il y a la gloire de Dieu. Mm. Là où Dieu règne. Mm. C'est là que Satan est né. C'est compliqué, hein? Vous vous rendez compte? Parfois, on oublie ça. Mm. Mm. Il a une origine divine, hein? Mm. D'origine céleste. Il n'est pas sorti de la planète Terre ou Mars, tout ça là, ou je ne sais pas, de l'enfer. Mais il vient de là-haut. Il est tombé comme un éclair. Et effectivement, dans la vie, même par rapport au travail que vous faites, même dans le monde, si vous travaillez dans une société, si vous avez votre projet pour créer votre société, vous devez honorer le monsieur qui vous a accueilli chez lui pour qu'il vous bénisse, qu'il vous partage la paix pour faire votre projet. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Voilà. Et d'autant plus que nous, à combien plus forte raison, nous qui sommes chrétiens. Voilà. Et c'est pour cela, quand les gens partent dans la rébellion, ben, déjà, eux-mêmes, ils se maudissent. Eux-mêmes, parce que Dieu est contre la rébellion. Là, c'est clair. Ce n'est pas dans le royaume de Dieu, ça. Voilà. Ils se ferment eux-mêmes, ils se bloquent. Et là, c'est comme un ventilateur. Hein. Ça tourne. Même quand on débranche, ça continue à tourner un peu. Les gens pensent qu'il est toujours connecté, mais en fait, au fur et à mesure, ça tourne au ralenti et puis après, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de jus. C'est comme un ballon. Quand on souffle dedans, il y a de l'air. Et quand il y a un trou, l'air s'échappe. Et puis le ballon, quand c'est comme ça, ça monte hein, au ciel. Mais en fait, c'est qu'il y a un trou. Là, on pense que c'est une bonne montée, mais en fait, ça va redescendre après parce que c'est ça. C'est pour cela que vous qui êtes jeunes, là, vous devez veiller par rapport à la rébellion. Pour ne pas se dire demain, je vais aussi monter un coup d'État. Parce que Absalom, le fils de David, vous savez, les rebelles finissent toujours par mourir parce que Dieu est contre la rébellion. Vous voyez ? Dans la Bible, tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu sont morts. Dathan, Abiram, tout ça,
Corée, parti. Eux, ils sont descendus vivants carrément sous terre, dans le Sheol. C'est chaud. Ils ont été accueillis par les démons étant avec leur corps physique. Là. Ils sont descendus comme ça. Myriam, la sœur de Moïse, avec Aaron, qui disait, mais Moïse prend pour qui? Eh ben, elle frappait de la lèpre. C'est terrible. Ça ne produit rien de bon, la rébellion. Là. Rien de bon. Rien. Si ce n'est que la mort. Et c'est pour cela que vous, la jeunesse, vous devez veiller par rapport à cela. Je crois que je vais faire un enseignement sur la rébellion. Hein? C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Hein? Ok. Ok, mais je pense qu'on peut changer l'émission ce soir, non? Ouais? Ok, bon, on revient dans 3 minutes.